Vous n'auriez pas dû venir, Emily. Comment savez-vous mon nom ? On se connaît ? En quelque sorte. Étant une manifestation des plus profonds désirs de Jérémy, je suis inconnu pour vous. Mais je sais qui vous êtes. Vous êtes en train de me dire que vous êtes Jérémy ? Je ne suis que les pensées de son subconscient. Je ne peux pas parler pour tout son être. Les pensées de son subconscient ? Et quel est cet endroit ? Est-ce que c'est Taroeia ? Cet endroit est bien le légendaire couvent de Taroeia, où Jérémy se rend pour trouver la paix pendant ses séances avec le docteur Gray. Alors tout est imaginaire. Inspiré de choses qu'il a lues et vues. Et vous en faites partie ? Oui. Mon nom est Juan Luis Jorge. Jérémy a lu un de mes livres. Ça l'a marqué. Vous m'aideriez à rompre le pacte avec l'homme ténébreux pour quitter Derceto ? Jérémy ne veut pas le rompre. Il veut honorer sa parole envers l'homme ténébreux. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? Je ne comprends pas à quoi sert ce pacte. Les résidents de Derceto aspirent à faire entrer le mal dans ce monde. Votre oncle a offert son âme à l'homme ténébreux afin de contenir ce désastre. Quoi ? Non, ça n'a aucun sens ! Le pacte sera honoré à l'aube, au lever du soleil. Jérémy sera emprisonné pour toujours dans le temple du désert. Et comme promis, l'homme ténébreux contiendra et affamera le mal au cœur de Derceto. Et que deviendront les patients et le personnel ? Ils n'auront aucune chance. C'est intolérable ! Pourquoi Jérémy a-t-il accepté ? Par désespoir, bien sûr. Jérémy n'a pas choisi le martyr sans réfléchir. Rien n'est encore perdu. Je dois pouvoir trouver un moyen de rompre le pacte et sauver Jérémy, et aussi les résidents de Derceto. Quel est ce mal dont vous parlez ? Je ne sais pas grand-chose. Il doit s'agir d'une entité cauchemardesque du bayou. Je m'en occuperai plus tard. D'abord, je dois rompre ce pacte qu'a conclu Jérémy. Quoi ? Vous êtes à court d'arguments ? À vrai dire, vous êtes enthousiasmante, mademoiselle Emily. Si on ignore les sentiments de Jérémy, je dois dire que je suis d'accord avec vous. Vraiment ? Peut-être parviendrez-vous à sauver ce vieil homme de lui-même. Vous devriez jeter un coup d'œil à la bibliothèque du couvent. Découvrez la vérité sur la relation qui lie Jérémy à l'homme ténébreux. D'accord. Sachez que vous ne serez pas seul dans ces grandes salles. L'homme ténébreux parcourt ses livres depuis des années. Il est ici ? Vous devrez être vraiment prudente. Bien sûr, je serai prudente. Bonne chance, mademoiselle Emily. Emily avait beau vouloir s'imprégner du confort du rêve de Jérémy et s'asseoir à côté de Juan sous son arbre de la Bodhi, elle savait qu'elle ne pouvait pas rester. Elle devait se rendre à la bibliothèque pour trouver des informations sur Jérémy et sa première rencontre avec l'homme ténébreux. Vous savez qui est l'homme ténébreux ? Le soleil noir, le marcheur des étoiles, le chaos rampant. Non, ni moi ni Jérémy ne savons ce qu'il est vraiment. J'ai peur que ça commence comme ça, que tout ça ne soit que la folie qui commence à m'étreindre. Je suis désolé. Je n'ai pas de réponse convaincante à vous donner pour dissiper ces doutes. Bon, j'ai assez attendu. Prenez soin de vous, Juan. Vous aussi, mademoiselle Emily. Je vais croiser les doigts et espérer que tout ira bien.
Il manque quelque chose. La grande bibliothèque était infinie, magnifique et terrible. Un enregistrement akashique de l'univers, présent dans l'esprit de Jeremy Hartwood. Un esprit désormais corrompu par un récit qui lui a été imposé, conté par un menteur maniaque. Un mal invoqué par la science et le secret. Je vais suspendre une pièce ayant fermé les fondements de son personnage. La clé de la pièce sera confiée au bibliothécaire, l'unique entité qui reste invisible aux rôdeurs. Qu'est-ce que c'est que ça? Le culte du taureau est courant dans l'histoire. Pour les chrétiens, ce culte apparaît dans l'Exode, lorsqu'en l'absence de Moïse, les Israélites se mettent à adorer un veau d'or. Ce passage montre que le peuple renoue avec l'adoration observée en Égypte du taureau Apis. Un autre exemple célèbre est celui des Minoens de l'île de Crète. Leur culte du taureau donna naissance au mythe du Minotaure, ce monstre mi-homme, mi-taureau qui régnait sur le labyrinthe. Mais pour ce cas particulier, je pense que je devrais vous parler de la divinité Astarte qui donna vie à la constellation du taureau afin qu'elle attaque Gilgamesh. Même pour ce héros mythique, le taureau céleste s'avéra difficile à vaincre. Ce n'est qu'en distrayant la bête, à l'aide d'une voile d'or, que Gilgamesh put percer un de ses yeux avec une lance, vidant ainsi le taureau de son sang.
c'est parti. C'est pendant cet été indien que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées. C'était une sorte de forain itinérant qui se produisait dans les salles publiques et suscitait une crainte généralisée. J'ai oublié l'adresse de l'événement à la Nouvelle-Orléans, mais je me souviens distinctement que la Prext Shipping Company avait insisté pour apporter sa contribution. Emily ! Pitié, non ! J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Il est dans ma tête, Juan. Son souffle remplace le mien. Vous n'auriez pas dû venir, Emily. Si ce n'est pas ma nouvelle meilleure amie, venez, prenez un petit remontant. Oss ? Oh, mademoiselle Hartwood, ne me dites pas que vous avez été vous amuser sans moi. Oss, quel est cet endroit ? Où sommes-nous ? Vous n'êtes encore jamais venue au Maccabim ? Bonté divine ! Dites-moi, mademoiselle Hartwood, avez-vous déjà envisagé de sortir en soirée ? C'est la Nouvelle-Orléans ? Oh, qui pourrait bien encore le dire ? Je suis entrée dans le grand salon et soudain me voici. Le grand salon ? Est-ce que je peux retourner à Derceto d'ici ? Oh, êtes-vous sûre de vouloir le faire ? Nous pourrions rester ici et passer la nuit à boire. Que diriez-vous d'un gin fizz ? Si c'est la Nouvelle-Orléans, peut-être devrais-je aller plus loin. Trouver ce spectacle de magie dont parlait le livre. Mais il n'y avait pas d'adresse, juste Prext Shipping Company. Vous parlez de l'endroit où Jérémy a rencontré l'homme ténébreux ? Comment est-ce que vous savez ça ? Jérémy parlait beaucoup de l'homme ténébreux. Je l'ai toujours un peu envié. Comment cela ? Si une entité toute puissante me montrait de l'intérêt, j'écouterai ce qu'elle propose. Je suis sûre qu'elle aurait beaucoup à offrir. Je ne crois pas que ça vous plairait. Vous êtes trop gentille pour l'obscurité. Oh, par pitié! Enfin, pour quel genre de prude me prenez-vous? J'adore l'obscurité. Elle me sied à ravir. Vous ne sauriez pas comment trouver la Prext Shipping Company par hasard? Bien sûr que si. Leurs bureaux sont de ce côté. C'était quoi, ça ? Vous avez eu de la chance. À bientôt, mademoiselle Emily. Hey, savez-vous où se trouve mon oncle ? Non. Mais je parie qu'il est tout près. La Nouvelle-Orléans se trouve au sud-ouest de Derceto, le long du grand fleuve Mississippi. Sa vieille ville, appelée le quartier français ou le vieux carré, est le lieu de résidence des fiers et souvent riches créoles. Autour de ce centre, vous trouverez une ville vaste et éclectique, habitée par une myriade de personnes. Les dockers les plus banals, les gangsters téméraires, les jeunes filles folles de jazz et bien sûr, les mystérieux vaudous. La nuit, vous pouvez vous tenir au bord du lac de Derceto et regarder la Nouvelle-Orléans scintiller comme des braises à l'horizon. C'est pendant cet automne chaud que j'ai passé toute la nuit avec ces foules agitées, venues contempler l'énigmatique pharaon noir. C'était une sorte de forain itinérant
qui se produisait dans les salles publiques et suscitait une crainte généralisée partout où il apparaissait. C'était le genre de sensation forte que recherchait mon père, surtout s'il y avait la promesse de tours de passe-passe électriques. J'ai oublié l'adresse de l'événement de la Nouvelle-Orléans, mais je me souviens distinctement que la Prext Shipping Company avait insisté pour que sa contribution soit publiée dans les journaux du matin. Selon certaines rumeurs, un sarcophage égyptien faisait partie du spectacle. Je me demandais comment il l'avait transporté dans ces escaliers apparemment interminables. Les détails de la performance de l'artiste ont été presque entièrement remplacés par l'effroi. Celui qui engourdit l'esprit et occulte la terreur d'une réalité insoutenable. Ce qui est certain, c'est que depuis cette nuit-là, je ne me souviens pas d'un seul jour passé sans avoir vu ou ressenti la présence d'un homme ténébreux. Pourquoi Rousse ne pouvait-elle pas l'accompagner et l'aider, se demandait Émilie. Elle ne voulait vraiment plus rester seule. Au moins, Émilie était de retour à la Nouvelle-Orléans, devant l'entrepôt de la Prext Shipping Company. D'après le livre dans la bibliothèque, c'était là qu'elle trouverait l'adresse du lieu où Jérémy avait rencontré l'homme ténébreux pour la première fois. Prext Shipping Company. D'après le livre dans la grande bibliothèque, ils ont assisté au spectacle d'un forain, quelque part à la Nouvelle-Orléans. D'une manière ou d'une autre, cet événement est lié à la rencontre de Jérémy et de l'homme ténébreux. Je peux sûrement trouver l'adresse à l'intérieur. Thank you.
Il y a forcément un autre moyen d'entrer. Thank you.
Je n'ai plus de balles. Elle est fermée à clé de l'autre côté. Mmh.
J'ai réussi à entrer dans l'autre pot. Maintenant, je dois trouver cette adresse. Ça devient ridicule. Je ne me plains pas, cela dit. Thank you.